Enlève ta veste. Regarde ici dans la caméra. Bon, tu as le droit de faire un appel. Puis ici, on a une liste des avocats pour la jeunesse. Non, merci. Mais tu devrais appeler tes parents au moins. Hein, si tu veux que quelqu'un assiste à ton interrogatoire. Ils sont morts, mes parents. Tu as une veste qu'on fait déjà ou tu t'en l'es déjà fait? Là. Non, on peut commencer sans Polynice. Qu'est-ce qu'il fait, Polynice? Bon. Regarde votre fronde. Hein? Ok, arrête la musique. Allez, check. Avec de la vraie huile d'olive, ton sexo, ça va être le roi de la fête. Mais tu me sers. On va se régaler. Béni, bismillah. Béni, je sais pas bénir, moi. Mais oui, tu sais, tu l'as entendu plein de fois. Oh, bénis-le. Ben, c'est toi l'aîné. C'est toi que Ménie veut entendre. Mais... Puisse cette année nous emmener paix et prospérité. Baba, maman, tous les parents, protégez-nous. Et gardez-nous unis. Et gardez-nous unis. Ça fait de la chipotche, ça fait vas-y, approche, approche, approche. Qu'est-ce que tu caches dans ton cahier pour que tu le gardes comme ça avec toi? Arrête. C'est mes affaires. Pour mon amoureux. Tu prépares un exposé? Je prépare un exposé. On dirait une institutrice qui parle. Tu veux, je parle comment, yo? Hein? Moi, je viens des quartiers. Hein? Je prépare un exposé. Yo, yo. Tu fais trop ta folle, là. Tu vas te calmer. C'est clair? Non, je me calme pas. Ouais, tu vas te calmer. T'es pas du route, toi, t'es pas du quartier. Je viens du quartier, je te prépare un exposé. T'as c'est comme ça que je te parle. Tu t'y connais, mais tu t'y connais pas. S'il te plaît. Regarde, moi je mange des œufs. Dans ton quartier, on mange des œufs. Non, je pense pas. On fait quoi dans ton quartier? On mange des œufs, on peut les balles. Elle est seule qui a commencé là. Hein. C'est pas moi. Exposé sur quoi? Donne-moi mon cahier, yo. Tu veux le salir avec ton cutex? Qu'est-ce que c'est, Caïs? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux pas dire? Parce que. Bah voyons, comme c'est un petit exposé, ça tu veux nous dire une fois pour dans ta vie ce que tu veux. L'histoire de notre famille. On allait partir au Canada avec toute ma famille, mes parents, ma grand-mère, mes deux frères, ma sœur puis moi. J'avais le droit de choisir une seule chose à amener dans la valise des enfants, à part mes vêtements. Là. C'est ça, j'ai passé beaucoup de temps à y penser. Ben, je sais pas combien de temps, parce que j'avais juste 3 ans, mais j'arrivais pas à choisir dans tous mes jouets. C'est un peu flou, mais je me rappelle que la maison, elle était à l'envers, sûrement parce qu'on s'en allait déménager. Et à un moment donné, il y a un camion blanc qui est arrivé devant la maison. Ma grand-mère nous a dit d'aller nous cacher, fait qu'on s'est cachés en haut. Ma sœur, elle m'a dit de pas regarder. J'ai regardé quand même. J'ai vu 2 hommes débarquer. Ils sont sortis, puis ils ont ouvert la boîte à l'arrière, puis ils se sont pris à 2 pour sortir quelque chose de lourd, puis d'assez long, puis ils l'ont jeté devant la maison. Ensuite, ils en ont sorti un 2e qui était plus léger, puis ils l'ont jeté pareil sur l'autre. J'ai vu le soulier de ma mère, le soulier de ma mère. Sortir puis rouler à côté des 2 corps. Fait que. On est parti au Canada, mais juste. Avec. Juste avec ma grand-mère, mes 2 frères, puis ma sœur. Puis moi aussi, parce que. Sinon, je serais pas là.
she please, said. Ma'am. Stand up, please, ma'am. En Kabylie, à la fête du printemps, tout le monde se roule dans l'herbe. Les femmes puis les hommes aussi. C'est bizarre. Yo, enlève ça. Tu vas pouvoir écouter ta musique? Avec du vrai son, Mini. T'as trouvé ça où? Je l'ai acheté usagé, pas cher. Tu peux faire entrer ça chez nous? Je l'ai acheté. Tasse-toi. Okay. Hey. Let's go, Vinny. Vas-y, viens, arrête de poser des questions, je viens danser. Tu kiffes le bail. Ah oui, tu vas danser avec ton grand frère. C'est moi qui te demande? Non, je veux pas. Mais parce que... C'est parce que je le crie pas. Je le crie Je m'excuse. Ah, merde. Ça va?
Ah, il s'est brisé toutes les ongles. Tu sais en plus ce que je pourrais te faire? Mais laisse-moi juste t'expliquer, laisse-moi juste t'expliquer. Ok, bah déjà tes cheveux lâchés. Mais ramène Hamza. Imaginez-la avec un petit dégradé. Ouais, avec une belle petite chasse comme ça. À la bande. Comme ça, un dégradé. Comme jusque là, plein de volume autour. Est-ce que vous me servir avec mes cheveux? C'est toi qui as fait ça? Non. Ça, c'est Molinari. Mais je vais d'une toile pour mon père. Il l'a accroché au-dessus des toilettes. Ah, tiens. C'est lui qui appelle. Sûrement pour dire qu'il viendra pas et qu'il a laissé 20$. On se commande quelque chose? Ok, mais si tu dis poisson cru, j'en veux pas. Sens-le, pis si tu trouves que ça sent bon, ben mange-le. Garde tes yeux fermés, attends. Je vais t'en donner un autre. Pas de poisson, hein? Non, non. C'est-tu fort? C'est du poisson? Non. C'est du poisson cru? Je voulais pas. T'as trouvé ça bon, non? Non, j'ai pas aimé ça. Ah, oh, come on, c'est full bon, regarde. T'en veux-tu un autre? Non. Comment je peux croire en ta parole, tu sais? Ah, non. Non. Dire, tu m'as menti une fois, tu peux mentir d'autres fois. C'était pour la. Expérience. Comment tu trouves ça? Je sais pas. Ça te fait quoi? Mais je sais pas si c'est beau. Mais ça me fait drôle. Ça me fait quelque chose dans le ventre. Papa, c'est Antigone. Hein? J'avais deviné. Ouais, je vais la reconduire chez elle. Enchanté, Antigone. Enchanté, monsieur. Christian. Tu peux m'appeler Christian. Ismaël, tu dors? Ismaël, ce soir, je vais aller chez un garçon. Quoi? Il s'appelle Aymon. Aymon? C'est un quoi? Un blanc, un québécois. Du bon.
bon, pas un plan. C'est bien pour commencer. Mais couche pas avec tout de suite. Je couche pas avec. Dès que tu couches, après ça, le gars, il te laisse tomber. C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Je te pleure. Ah ouais, tu m'as réveillée. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux toutes les premières fois avec toi. Hey, y'a quoi mes cheveux? Tu es, vas-y, c'est pas grave, tu fais comme tu veux. Tu parles avec ton bandana bleu marin. Oh! Voilà, oh 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 oh, je me tiens. Oh! Je sais quoi votre problème? Ce n'est pas la peine de vivre et de survivre aux fleurs et de survivre au feu, des cendres. Minnie, écoute comme c'est beau. Il vaudrait si mieux qu'on meure avec la fleur dans le cœur. Ok. C'est Denis Garneau, c'est un poète québécois. On s'en rappelle les années d'hier, Zindaki. Franchement, Mimi. C'est sûr qu'il y en a des poètes. Mini, il est arrivé quelque chose à Eteocle. Je sais pas, Mini, il est arrivé quelque chose à Eteocle. Je sais, Gwen. Je fais les faire away, Mini. Non, laisse-moi voir, c'est quoi? Est-ce que Ménécée est pas nommée ici? On était pas armés. On joue au Jax. Eteocle. Paulinus, dis-moi, il est où, Eteocle? Il est tombé. Comme une plume. Fica por mim. Nani, eu vivo, eu vou dormir para eu vivo. Paulini Siponomé va être gardée en détention jusqu'à son procès. Qu'est-ce qu'il a fait? Bris de condition, il a assaut sur un policier. Le policier qui a tiré son frère? Je suis désolée, madame. C'est un juge qui va décider de la suite. Raising the hood downtown, but that shit was covered by a cloud.
Got used to the gun sound, see my best friend's guts on the ground dead. 4 days we left on the pavement, on the same path overtake on the way to school. Changed nothing but the way that I hang with dudes, I used to bang with dudes. Even taught me how to slay the fool, kangaroo, that niggas change the food. Back then we making major moves, I can't lose with the attitude. And these are the things that you can't do to any nigga or anybody that's a dude. Shit, hit you 100 strikes, catch you on the belly of the beast, that's fast food. Do you cry? 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 Oh, you got too much pride. Too much pride, too much pride, yeah. Who gon' ride, 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 yeah. Who gon' die, 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 I'm 100-0 on St. Catherine's stripper. Sitting in my life is like an acid trip. Spinning in my cup, fall, spilling in it. Spend a long day, don't get your ass kicked. Nigga, this that bastard. Look, I hate the bank. Love the bank, tell her though she got a rack. And what I tell her, here, deposit this and give me all the back. And hundreds, please, dollar bills. This rap shit is real. I take my dope, money, copper grill, cause that's just how I feel. I used to wrap my teeth with gold foil from the caramel. Chocolate bars as a kid, I still had bars even then. And boy, I was a boss at 10. Making 20 cost me 10. Still waiting on my father's day. Get my turn, these boys to men and friends to foes. And wives to hoes. See niggas let their lives for those. See niggas lose their lives for shit that ain't even worth fighting for. And this is who I write this for. These are my adversities. That's why it'll cost you all of this. Call my manager for a verse for me. And I'll spit you all the birds and bees. My tooth burned like the third degree. And my family begging me to stop cursing in these verses. But it's me personally. I ask, do you cry? Do you cry? Do you cry? Boy, you got too much pride. You got too much pride. You got too much pride. Yeah. And who gon' ride? 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 To know on St. Catherine's strip, but sitting in my life is like an acid trip. Spinning in my cup, fall, spilling in it. Spin a long day, don't get your ass kicked. Nigga, who's that bastard? C'est fini pour Éthéocle. Maintenant, il faut sauver Polynice. C'est où? C'est juste là au bout. Arrête, Mimi, on fait pas ça ici. Hey, je suis l'arrêt, là. C'est une arrêt d'Aïcha. La honte. Merci. Merci. D'abord, mes sympathies pour le petit-fils, le frère que vous avez perdu. C'est horrible. Je pratique plus comme avocat, mais j'ai encore de précieux contacts dans la profession. Inès, ne se fasse pas de beauté. Ne se fasse pas de beauté. Elle est aimée, mais je suis une circonscription. Inès, laisse-le, mais je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer. Merci beaucoup pour votre aide. Et pardon, on n'a pas l'habitude de recevoir ici. C'est un peu... Inquiète-toi pas, c'est très bien. Merci. Mm-hmm. Bon. Voilà ce qui se passe. Le cas de Polynice, ça dérange tout le monde. D'abord, il n'est pas citoyen canadien. Mm. On a juste la résidence permanente. Personne de vous autres a votre citoyenneté. C'est juste que c'était beaucoup d'administration pour notre grand-mère. Polynice a déjà plusieurs crimes à son actif. Des petits crimes. Mais là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux. Ils veulent l'extrader. Quoi, extrader? Il a sauté sur le policier qui a tiré notre frère. Devant lui. Je sais, ça se comprend. Mais il était déjà connu avant ça des policiers.
Mais ils n'ont jamais parlé de déportation avant. Et là, il est majeur. Pour eux, c'est un événement grave qui fait basculer son cas. Ils veulent l'envoyer où? Dans son pays d'origine. Zada, je suis là, je suis là. Dans tout ce que je veux dire, je suis là, je suis là, je suis là. C'est l'enfer là-bas. J'imagine. Ah là, vous me rendez sur le fond. Quand vous regardez le coton, il y a une machine qui est qui n'a pas l'espèce de dégâts. Je vais tout se mettre qui se fait. Ah, vous êtes dans le monde. Amis, allez, les dames, courant. Moi, je m'en ai dit, c'est le habit, c'est le habit. Eh, après, moi, je m'en ai dit, c'est le habit, c'est le habit, c'est le habit. Amis, j'en ai rien. Pas bien, non? Est-ce que tu peux dessiner ça? C'est pas un jeu, les tatouages à gang. Je sais. Ismaël. Coupe-moi les cheveux. Là? Tout de suite? Oui. Tu veux cours comment? Cours, cours. Je veux ressembler à un garçon. Mais arrête! T'es folle! Tu t'es fait tatouer? Ça ressemble. C'est pas pour toujours, c'est juste à m'appliquer. Arrête. C'est quoi le trip? Tu veux ressembler à Polynice? Polynice peut pas être déportée, Ismaël. Il survivra pas là-bas. Ça marchera jamais. Les cheveux. J'ai peur pour toi. J'ai réfléchi. Je suis mineure. Je suis clean. Ils vont me faire des sermons, mais ils vont pas me garder. Toi aussi, il y a quelque chose que tu dois faire. Quoi? Tu dois aider Polynice à sa sortie de prison. Non. Tu lui trouves une planque sûre, loin des Habibi, loin de la police. Je veux pas tremper dans ces affaires sales. C'est ton frère. Contacte qui? Tu vas trouver. Dis-moi rien.
Fais ce qu'il faut. C'est tout. Polinis. Viens, je vais te montrer ma voiture. C'est moche mes cheveux. C'est spécial. Mais c'est correct. De toute façon, moi je t'aime. On pourrait aller dans l'ouest ensemble. Dans les montagnes. T'as déjà vu un ours? Non. Je pense pas que je vais pouvoir. Moi, je pense que ça te ferait du bien. Je suis sûr que ta grand-mère et ta soeur vont comprendre. On va être revenu à temps pour ton collège, là, si c'est ça qui t'inquiète. Puis je paye le gaz. Mais ça va être fou, là. On va dormir dans le char ou dehors, dans des parcs. Se baigner dans l'eau des lacs turquoise. Bonjour. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Bonjour. Sac, s'il vous plaît. La capuche, s'il vous plaît. Et j'inspecte, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce que tu fais?
Tu prends ta place. Zorlu yere beni. Ben zorlu durayım dike zorlu. Tu pars pour les States. Tu vas monter dans la voiture juste derrière l'autobus. Il y a un gars qui s'appelle Shadow. Il a un passeport pour toi. Je veux rentrer chez nous. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. On ne sait pas combien de temps Antigone va tenir. Qu'est-ce qu'il va pas lui? Ah ouais, lève-toi. Lève-toi. Hey. On a un corps noir, ici on a un corps noir. J'ai besoin de backup dans le A. Guys, il y a une poulette dans le A! Tu restes là. Hey, Antigone Bonhomme, vous êtes en état d'arrestation pour complot pour évasion et supposition de personne. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez également le droit à l'assistance d'un avocat. Tout ce que vous dites à partir de maintenant peut être pris par écrit et servir de preuve contre vous à la cour. Vous avez également le droit à un parent ou à un tuteur. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Oui.
Gardez-y dans la caméra. Il est où, Paulinès? Je sais pas, monsieur. Il t'a offert de l'argent. Il y a pas d'argent. Les Habibi, eux, ils en ont de l'argent. Puis j'imagine qu'ils aimaient pour le savoir en dedans. Je sais rien d'eux autres. Ils n'ont jamais rien demandé. T'as enfreint la loi pour ton frère? Ouais, juste un. Je dois l'aider. Ouais. Tu veux aider un petit criminel à gravir les échelons du crime organisé, c'est ça? Notre grand frère a été tué devant ses yeux. Punir Paulinès en le déportant, c'est injuste. Recruteur. C'était ça. Sa tâche. Avec les Habibi. Si t'avais un enfant, tu voudrais pas qu'il chill avec Paulinès. Même que si j'avais un enfant dans le même hood que Paulinès, je déménagerais. Regardez-lui. 14 ans. Surdose de cocaïne. Il a convulsé tout seul dans le stationnement d'un Pickwick dans la nuit du 17 juillet. Puis la drogue qui l'a chopé, ce petit gars-là, c'est de Paulinès qu'elle venait. C'est rien. C'est ça que je voulais. Je suis passé l'initiation. Amien. Il est où ton frère, Antigone? Je sais pas. Je sais pas. Il est où? Je vous jure que je sais pas. C'est que notre grand frère est mort. Tué par la police. Est-ce que vous pouvez le ramener? Le sportif. Le héros qui compte des buts. L'innocente victime qui a pris la balle. Est-ce que tu le connaissais vraiment, ton grand frère? Vous allez m'en dire du mal? Ton champion de grand frère, je te le dis à toi, là. Il valait pas plus cher que Paulinès. C'est pas vrai. Qui payait le loyer chez vous? Sûrement pas ta sœur avec son salaire de shampouineuse. Qui payait le loyer? Pourquoi?
Pourquoi vous demandez si vous avez l'air de savoir? Et Théocle, mais d'où lui venait l'argent? Tu foutes? Ouais. Tu crois vraiment à ça, Antigone? Toi, la plus brillante de ta famille, tu penses que ton frère gagnait de l'argent en scorant des buts dans une ligue locale? Il était Hocle, il était autant avec les Habibi que Paulinus. Juste mieux placé. Il n'y avait pas à se salir les mains. Et où ton frère? Je sais pas. Tu t'embarques dans quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille. Bonne chance. Ouvrez, police. Un mandat d'arrestation. Il est pas là, il est pas là. Vous avez pas le droit d'entrer ici. On a un mandat d'arrestation contre Madame Ménessé, pas nommée. C'est la caution. C'est vous qu'on a de l'argent? Nous, on exécute le mandat. Dossier Antigone Hipponomé, numéro 0351-881-2012. Maître Julie Edouin pour la poursuite. Madame la juge, si vous permettez, c'est la jeune qui se représente elle-même. Bonjour, mademoiselle. Veuillez vous identifier clairement. Antigone Hipponomé? Coupable. Un instant. Si je comprends bien, mademoiselle, vous avez signé le refus à l'assistance de l'avocat? Parlez à voix haute, mademoiselle, vous êtes enregistrée. Oui. Est-ce que vous êtes bien consciente des charges portées contre vous et des conséquences qu'elles auront sur la peine qui pourrait vous être donnée? Oui. Pouvez-vous me faire l'énumération des trois chefs d'accusation? Ben, j'ai aidé mon frère à se déguiser en fille. Pour qu'il sorte de prison. Parce qu'il allait être déporté si... Pour l'instant, je vous demande juste d'énumérer les trois chefs d'accusation portés contre vous. Les services d'un avocat de l'aide juridique sont gratuits pour les mineurs. Je vous les conseille fortement avant d'enregistrer votre plaidoyer.
Et je suis coupable. Je suis pas certaine que vous compreniez la portée de votre déclaration. Vous n'avez pas eu recours à la divulgation de la preuve contre vous. Alors, j'inscris ici non coupable pour qu'il y ait un proforma avec le procureur à la défense. Est-ce que vous avez un parent ou un tuteur présent ici dans la salle avec vous aujourd'hui? C'est notre grand-mère, notre tutrice légale. Mais elle a été arrêtée hier soir. Madame la juge, si vous permettez, l'accusé sous la garde légale de sa grand-mère qui a été arrêtée hier soir pour deux des mêmes motifs du code, soit 463 pour complot et 147 pour avoir délivré une personne de la garde légale d'un pénitencier provincial. Elle n'a rien à voir avec ça? Merci, maître. C'est moi qui est coupable. Il y a une certaine marche à suivre à la cour pour que tout se déroule dans l'ordre. Vous pourrez décider de plaider coupable plus tard, mais vous devez prendre les services d'un avocat. Maître, j'écoute vos recommandations. Merci, Madame la juge. Comme nous craignons une tentative de fuite de l'accusé et donc un risque réel qu'elle ne se présente pas en cours, nous recommandons la détention sous garde fermée pour la tenue des procédures. C'est ridicule, là. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Taisez-vous. Il n'y aura pas d'autre avertissement. D'ici un règlement dans cette affaire, la Cour ordonne que vous soyez détenu sous garde au Centre pour adolescentes Sainte-Rose de Laval. Ah, Raymond, vous pouvez pas l'enfermer de même. Voyons donc, il s'est fait tirer par la police. Il s'en pas rapport. Pour de vrai, elle a jamais rien fait. Elle est première de classe. Vous pouvez pas l'enfermer comme ça sans raison. Les accusations portées contre vous sont graves, mademoiselle. Ils sont passibles de 5 ans d'emprisonnement chez un adulte. Il est donc possible que vous poursuivez votre peine dans un pénitencier pour adultes une fois l'atteinte de votre majorité. Vous vous trouvez un avocat ou la Cour vous assignera quelqu'un de l'aide juridique à la jeunesse. Vous aurez aussi des conditions à respecter, soit celle de garder la paix, de ne porter aucune arme ou imitation d'arme, de respecter les conditions de vie dans le centre où vous serez confié et de n'avoir aucun lien direct ou indirect avec Polynice Hyponomé et Ménécée Hyponomé. J'ai-tu besoin de te dire que tu me mets dans l'embarras? Il faut faire quelque chose pour elle. La politique peut en aucun cas intervenir dans une affaire judiciaire. C'est pas aux politiciens que je parle. Tant qu'elle était chez elle, je pouvais l'aider. Mais non, pourquoi elle a fait ça? Elle est allée se mettre dans la même marde que ses frères. Vous allez commencer par prendre votre douche, mettre du linge propre, avant d'aller voir vos chambres puis leur commune. Si c'est pas compliqué, lever à 7h30, douche obligatoire, déjeuner jusqu'à 8h30, puis manger ce que vous voulez, là, le déjeuner, c'est libre. Quand est-ce que je vais pouvoir appeler? Une chose à la fois, là. Après le déjeuner, vous allez en classe. C'est urgent. Ma grand-mère a été arrêtée. Ça, c'est le code de vie. Wow, merci, ça a vraiment l'air dégueulasse. Merci. Le jeudi, c'est censé être du pudding au sirop d'érable. Une allergique aux œufs, donc. C'est toi, la gale? Non, c'est moi. Tu veux-tu rester longtemps? Si elle a un comportement qui ressemble au tien, elle va peut-être rester pour un bout, ouais. Ah, ben, watch out, hein? Elle sait comment sortir d'un pénitencier criminel. C'est du bonbon pour elle, les petits barreaux d'un centre jeunesse. Je veux mon pudding. Ce soir, c'est du gelo. J'ai pas le droit de fumer, j'ai pas le droit de fourrer. Ben laissez-moi mon dessert, tabarnak! Tu vas l'avoir, ton dessert. Sans œuf. J'ai essayé de te voir, mais ils m'ont retourné comme une vieille chaussette sale. La police est débarquée chez nous. Moi, je pensais qu'ils venaient pour Polynice, mais c'est Ménie qui ont pris. OK, sûrement qu'on est écoutés. Mais ça va, dis-moi qui s'occupe d'elle. Un avocat de l'aide juridique. Encore un qui en a rien à foutre de nous autres parce qu'on n'a pas une crise de scène. Elle est où, là? Elle a pas...
passer la nuit en prison. Je voudrais payer une caution. J'essaie de trouver la somme au salon, mais juste amasser 300 pièces. C'est le dixième de ce qu'il demande comme caution. Prends ma bourse. Prends-la. Ma carte est dans le coffre en bois, puis mon code, c'est l'année de notre arrivée. Bonjour, je suis Madame Genet. Je vais faire votre évaluation aujourd'hui pour connaître votre niveau. Après ça, vous serez placée avec d'autres filles du même degré que vous. Antigone, c'est ça? Oui. Toi, t'as presque fini secondaire 5. T'es allée à l'école tous les jours? Réponds à ces questions-là. Émilie, comme je sais pas ton niveau, on va commencer par la base. Ça se peut que ce soit très facile au début. Tu vas voir, les questions deviennent un peu plus difficiles à mesure qu'on avance. Veux-tu qu'on lise ensemble la première question? C'est un choix de réponse. Vas-y. Est-ce que tu portes des lunettes, toi, d'habitude, Émilie? Est-ce que tu arrives à lire ce mot-là? Combien d'arbres? Tu connais les lettres et les chiffres. Merci, Natacha. Salut. Je suis maître Onir. Je suis de l'aide juridique pour la jeunesse. Merci, mais je veux me défendre moi-même. C'est un ordre de la cour. Tu peux changer de procureur, c'est pas obligé d'être moi, mais ça te prend quelqu'un. Je peux faire valoir que tes droits n'ont pas été respectés pendant l'interrogatoire policier. Je peux faire invalider tout ce que l'enquêteur t'a fait dire. J'ai juste dit la vérité. Tu aurais dû avoir un avocat. C'est une procédure qui va nous permettre de reprendre le dossier à zéro. Mais je suis coupable. Si c'est pas moi qui est puni pour l'évasion, ça va être Pauliniste. Antigone. Ou pire encore, ma grand-mère. Tu vas avoir un casier au criminel si t'es reconnu coupable. Ça reste 5 ans après la peine, un casier. Après, ils vont contrôler et t'observer dans tout ce que tu fais. Ils vont écrire tous les jours dans ton dossier. Puis si jamais tu commets une autre petite infraction, tu te fais arrêter avec de la drogue. Tu prends pas de drogue? Tu te fais prendre dans une manifestation étudiante, une game de hockey qui vire mal, n'importe quelle petite niaiserie, n'importe pour toi, ça continue. La GRC archive ton dossier. Ils détruisent pas, ils l'archivent. Tu vas te pogner avec des gars comme moi bien longtemps si t'es reconnu coupable. Tu auras besoin d'un avocat si tu veux sortir du pays. Si tu te fais refuser un emploi, puis ça va t'arriver, sois-en bien certain. Tu pourras même te faire refuser l'accès à certaines facultés d'enseignement. Mais surtout, il y a les médias, les journaux en ligne, Facebook, les réseaux sociaux. As-tu fait une petite recherche sur toi? J'ai pas lu Internet depuis que j'ai été arrêtée. Téléphone, s'il vous plaît. Tu peux choisir un autre procureur comme moi, mais ça te prend quelqu'un. Non, pardon. Ça va être Greg.
Qu'est-ce que ça fait là, cette photo de moi? Ils savent. Mais c'est vrai qu'ils savent. C'était où nouvelle à la télé. Ils parlent de l'évasion. Ça se contrôle une image. Pas contrôler. Juste. Dire la vérité. C'est quoi la vérité? Je suis solidaire de ma famille. Peu importe ce que tes frères ont fait. Ça me fait de la peine quand je pense à eux dans les gangs. C'est pas les crimes que je défends, soeur, c'est pas les crimes. C'est ma famille. Tu défends la famille. Ok, on fera pas ton procès. On va faire entendre ta cause. As-tu des amis là-dedans? Chica. Chica, c'est mon ami et moi. J'ai lu dans les faits de la discussion. Ah, lis pas ça, là. C'est n'importe quoi, pour de vrai. Mais non, ça va juste te faire du mal. C'est sûr que j'ai pas fait le city, comme tabarnak, là! On se calme, Honorable juge Constantinescu, veuillez vous lever. Hé, hey, on se lève. On se lève, allez. Tout le monde se lève, allez. Silence ou vous serez expulsé. Asseyez-vous. Ouverture de la séance à 9h04. Lecture du rôle, Antigone Ponomé, Jimmy José Lada, Joseph Agnaou, Joanny Paradis Côté, Rico, Eduardo Ritamal, Moussa Achille Abassure. L'utilisation de téléphone et d'appareils électroniques est strictement interdite. Veuillez également fermer tout appareil pouvant faire du bruit. L'accusé du premier dossier est en détention. Faites l'entrée. Faites entrer Antigone Ponomé. Dans le dossier Antigone Ponomé, numéro 0301-881-2012. Maître O'Neill pour la défense. Maître Julie Edouard pour la poursuite. Mademoiselle. Non. Bon, maintenant que tous les cellulaires sont fermés, on peut commencer. Mademoiselle, veuillez vous identifier clairement. L'obstruction des procédures judiciaires est une entrave passible d'amende. Nous allons demander à tout le monde de sortir. Allez.
Tout le monde sort. Allez. Nous ajournons pour une période de 15 minutes. La cour reprendra ses activités à huis clos. Allez, on se dépêche. Sinon, c'est une amende. J'ai enfreint la loi, mais je recommencerai demain. Parce que mon cœur me dit d'aider mon frère. Mon cœur me dit. C'est bon, ça. En passant, ta grand-mère est rentrée chez elle. Mais elle a quand même des conditions à respecter. Elle peut pas t'approcher à moins de 150 mètres, puis elle peut pas te parler ni par téléphone, ni par Internet, ni par courrier. Sinon, elle retourne en dedans. OK. L'amende pour outrage au tribunal peut être payée par argent comptant, carte débit, jour de détention ou travaux. Débit. J'ai l'impression que comme une coordonnée avant que les téléphones se sont mis à sonner, les cellulaires. La jeune femme mineure dont on ne peut divulguer l'identité s'est travestie en son frère, excusez-moi. Je me suis mis à voir les hip-hop dans la tête. Payer pour moi, tu sais. Ah non? Puis quoi? Je te laisse là, puis après, ça sort d'un journal que mon fils a été arrêté, puis que je m'occupe pas de lui, puis que. Hey, fait que toi, tu ferais passer ton équilibre social avant ton devoir de père. Veux-tu qu'on en parle de mon devoir de père? Si je suis là, si je paye pour tes conneries, ça, c'est mon devoir de père. Hey, je rentre à minuit, à tous les soirs. Je me retrousse les manches à tous les matins, je ferme ma gueule pour suivre la ligne du parti, même quand je suis pas d'accord, pour garder ma job, tout ça pour continuer à travailler, pour donner ce qu'il faut à mon fils. Tout ce que je fais, c'est mon devoir de père. J'en ai pas besoin de ton sacrifice. J'aimerais bien mieux que tu t'ouvres la gueule quand t'es pas d'accord. Parle comme un gars de 17 ans. Peut-être que les vieux peuvent apprendre des jeunes. J'ai pas besoin que tu sois là pour me sortir de quoi que ce soit, pas. Toi, t'es vieux pis t'as peur, fait que tu penses juste à sauver ton cul. Hey, mange de la merde. Aimons. Aimons! Merde. Non, c'est pas bon, là. Ben oui, c'est moi qui décide. Arrête, pas toi qui décide. C'est moi qui la mallette. Lâche, calisse! Deux mois après la mort de Pinocchio Bonhomé, tombé sous les balles d'un policier. Yo, les filles! Voilà que la famille... C'est vrai, Antigone. À la suite de l'évasion spectaculaire de Polynice Bonhomé. Le frère Antigone est quand même cute. Excusez. Oui, comme vous pouvez le constater, il y a de l'activité ici où la cadette de la famille doit faire face à la justice pour avoir aidé son frère à s'évader. Je vous rappelle que... Hé, Antigone, il parle de toi! Elle a été confondue avec lui, a donc été dirigée vers sa cellule, alors que lui, déguisé en sa sœur, est parti en cavale. C'est une vedette. La jeune Hippolyte devait comparaître devant. Et son jeunesse, il chie dans leur culotte, tellement ils ont peur des médias. J'ai entendu, hein? Non, mais c'est ce que tu fais pour ton frère, pour vrai. Ouais. Alors, je suis capable de dire bravo. Si c'était de la refaire, je recommencerai demain, parce que mon cœur me dit d'aider mon frère. Le lever du soleil.
rester longtemps. Va la voir, Lynn. Dis-lui de rentrer chez nous. Je suis déjà allée. Elle respecte les conditions. 150 mètres du centre. Elle veut revenir tous les jours. Bon, c'est passé comme ma libération. Les services correctionnels veulent pas te garder. Ils aiment pas ça, l'attention sur eux. C'est qui, elle? Je présente Alima, éducatrice. T'es là pour faire semblant que les centres jeunesse aiment toutes les cultures? Regarde. Ils renforcent les effectifs. Ça, c'est parce que t'es là. J'aime ça les voir freaky. Tiens, Émilie, j'ai quelque chose pour toi. Forcément. Tiens, tu mettras ça en dessous de ton bras. Chantal, est-ce que tu as reçu une formation pour faire le métier que tu fais? Quoi? Un peu de délicatesse, je sais pas. Mais le toit de tes affaires? Nos affaires. C'est de nos affaires. Je te préviens, tu vas avoir une conséquence. Toi, est-ce que tu as pensé aux conséquences de ce que tu fais? Va réfléchir dans ta chambre! Toi, va réfléchir dans ton bureau. Moi, j'ai déjà réfléchi, je sais ce que je fais ici. Code 6 au colibri. Code 6. Ah ouais. T'es-tu dans ta semaine? Code 6? Une nuit. C'était quand de t'excuser. On verra si ça s'arrête là ou si tu restes à l'isoloir demain avec. Tu vas me suivre. Les filles! Arrêtez, les filles! Arrêtez! Calmez-vous! Arrêtez, vous allez être privés de télévision! Bonjour, Antigone. Je suis Monica, éducatrice senior. Et où, Chantal? Affectée à une autre unité. Pas de changer. T'as de la visite. C'est le jour des visites? C'est une visite spéciale. Et moi, on sait pas que je suis ici. On se parle plus. Il vit dans son garage. Tu l'as pas dit? J'ai le droit à un appel par semaine. Il va placer court.
passe ses journées en ligne, ses nuits dans la rue. Je sais même pas où il se lave. S'il se lave. Mais je sais, il est jeune. Il faut qu'il ait eu ses expériences, mais... là, à 17 ans, je pense qu'il sait pas ce qu'il met en balance. Moi, j'ai confiance en lui. Moi aussi, j'ai confiance en lui. Mais c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle. L'entrave au système judiciaire et les graffitis. Là, il est en train de se bâtir une belle feuille de route, là, ça va le suivre toute sa vie. Toi, ça me dérange? Ça me dérange de le voir bousiller sa vie pour... Je sais même pas ce qu'il revendique. Même ça, c'est pas clair. Je pense qu'il veut juste pas que je me sente seule. Ça va s'arrêter quand? Quand tu vas se retrouver dans un poste de police? Avec des charges contre lui? Comme toi? C'est sûr que tu veux pas ça pour lui. Je comprends. Tu l'aimes. Comment tu fais? Comment tu fais pour aimer ton frère? Malgré... Je l'aime. C'est tout. Tu sacrifies ta liberté pour lui. Tu sacrifies ta vie. Quand je suis pas sûre de si je fais la bonne affaire. Je repense au petit garçon. Au petit Paulinis. Qui tend ses bras pour qu'on le prenne. Mais y'a personne qui le prend. Parce qu'il n'y a plus ses parents.
On s'est entendu sur la peine. Minime. Faites entrer l'accusé. Dans le dossier Antigone Hipponomé, numéro 0351-881-2012. Maître Julie Edouin pour la poursuite. Maître Justin O'Neill pour la défense. Madame la juge, si vous permettez, j'aimerais juste... Veuillez vous identifier clairement, mademoiselle. Antigone Hipponomé. Maître O'Neill, c'est à vous. Merci, Votre Honneur. Comme vous pouvez le lire, ma cliente plaide coupable aux accusations portées contre elle. J'ai discuté avec ma collègue. Comme il s'agit d'une première infraction, étant donné qu'elle allait à l'école assidûment avant les événements, étant donné qu'elle a un profil social tout à fait normal, nous suggérons une condamnation avec sursis, incluant une ordonnance de 60 heures de travaux communautaires à effectuer dans un délai de 4 mois. Vous êtes d'accord avec ça, maître? Madame la juge, j'ai un nouvel élément à la preuve. Je vous écoute, maître. J'aimerais appeler un nouveau témoin à la barre, Votre Honneur. J'ai pas cette demande sur le rôle, maître. Je sais, Votre Honneur, le dossier a beaucoup évolué dans les dernières heures. Mon témoin a été arrêté aux petites heures ce matin. Il s'agit de Paulinis Hipponomé, le frère de l'accusé. Objection, Votre Honneur. Objection rejetée. Faites l'entrée, je vous prie. Votre Honneur, je dois absolument discuter avec ma cliente. Maître O'Neill, veuillez respecter la cour. D'où nous vient ce jeune homme? Paulinis Hipponomé a été trouvée aux petites heures ce matin par les services de police provinciale dans un bar, l'Eclipse, à Laval. Paulinis. Mademoiselle. Paulinis. Mademoiselle. Tu brises tout. Mademoiselle. Je m'excuse. C'est quoi que t'as dans ta tête? Mademoiselle. Je suis désolée, je suis nulle. Mais t'en as pas assez d'être nulle. En tout cas, on va parler après. Non. Non, pas après. C'est ma vie. C'est notre vie, Paulinis, c'est notre famille. C'est quoi l'affaire qui dépasse de tes épaules, Paulinis? C'est une tête? Ou c'est juste un fucking trognon avec des trous pour te geler la face avec? Mademoiselle, dans votre intérêt, laissez les procédures suivre. Mais je l'ai vomi, OK, vos procédures? Là, je suis en train de parler à mon frère. Votre Honneur. Maître, Votre Honneur, vous êtes ridicule avec vos cérémonies! Écoutez-moi bien, mademoiselle. C'est votre dernière chance. La voulez-vous un jour, votre citoyenneté? Ma citoyenneté? Citoyenneté? Citoyenneté de papier? Pardon? Allez vous torcher avec votre citoyenneté. La cour suspend ses activités pour une période de 10 minutes. 10 minutes pour ordonner, Votre Honneur. Condamner, mon colonel. Votre beau déguisement là, de citoyen cache votre cœur. Il est où, votre cœur? Je le vois pas. Tout ce que je vois, là, c'est des costumes, puis des clés, puis des titres. Pis... Lâchez-moi! Paulinis! Paulinis! À quoi t'as pensé? Est-ce que t'as pensé à moi? T'as-tu pensé à moi? Est-ce que t'as pensé à ton frère? À ton frère qui est mort, Paulinis!
Tu es bien toi, Antigone? Oui, madame. Viens, viens t'asseoir. Bonjour, je m'appelle Teresa. Je suis psychiatre. Je sais, madame. T'as pas très envie de parler. J'en veux pas de vos pilules, madame. S'il te plaît, peux-tu cesser de dire madame? Oui. Monsieur. Bon. Je suis chargée de faire ton évaluation psychiatrique. Je prescris rarement des médicaments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien de plus à vous dire que ce que vous avez lu sur mes frères puis moi. J'ai rien lu. Je privilégie les rapports directs. Alors, as-tu une idée pourquoi t'es ici? Ici. Devant vous. Oui. Parce que j'ai un choix impossible à faire. Quel choix? La citoyenneté ou mon frère? La vie civile ou la famille? Il a quel âge, ton frère? 18. Tu te sens responsable de lui? Je suis responsable de ma famille. T'es responsable de ton avenir aussi? J'ai pas d'avenir. Je viens d'une famille à qui on a tout enlevé. Je trouve que tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Détends-toi un peu. Je peux pas. Pourquoi pas? À cause des morts. Ils sont où, les morts? Ils sont là. Comme nous. Il n'y a pas leur enveloppe, mais ils sont là. Avec nous. T'as peur de leur jugement? Plus que de celui des vivants. Le combat entre la loi de ton cœur et la loi des hommes est un combat insoluble. Je regrette, mais il n'y a pas d'autre issue. Tu seras emmurée, vivante. C'est des calmants. Elle peut en prendre un autre dans 4 heures.
On a 2 heures avant que je doive te ramener au centre. J'ai une proposition à te faire. J'en ai parlé avec Ismaël et Ménessé. Je pourrais devenir ton tuteur légal. Tu pourrais venir habiter ici. Ce serait ta maison. Je pourrais prendre en charge tes études, même après ta majorité, tout le temps nécessaire. Mais j'en ai un tuteur. Jiménie, elle veut retourner au bled avec Polynice. C'est son choix, elle. Jiménie. Jiménie, c'est vrai. Jiménie, c'est vrai que tu peux rentrer au bled. Elle aura le droit, c'est moi le CEO. J'ai beaucoup d'affection pour toi, Antigone. Accepte qu'on t'aide. Pardon, est-ce qu'on peut se parler juste toutes les trois? Bien sûr. Si tu retournes, c'est comme si tout ça avait servi à rien. Drolax Polynice. Mais si tu pars en moi, qu'est-ce que je vais faire? Ménie, qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? C'est toi, ma maison! Qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'elle partie, elle veut. Moi, j'en peux plus. T'en peux plus de quoi? Je veux une vie normale. Mais on n'est pas normal. On peut pas effacer ce qui est arrivé à notre famille. Moi, oui. Tu veux nous oublier? Je veux plus que ma famille décide de ma vie. Tu veux nous oublier en échange de quoi? En échange d'une petite vie qu'on fait miroiter? Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu'on te jette? Comme un chien! Tu sais ce que je veux? Je veux que la banque me prête pour mon salon. Un petit salon de coiffure, 4 chaises. Je peux me marier avec un gars correct. Pas de casier. Je veux une maison à moi, avec des enfants dedans. C'est ça que je veux! Une vie normale! Comme tout le monde! C'est trop demandé! C'est trop! C'est trop de vouloir juste être normal! Savez-vous, je vous en prie. Christian. Merci. Salle de bain, hein? C'est en bas des escaliers à gauche. Wow, wow. C'est juste là.
Non. Emmène-moi dehors. L'amour avec toi. Quoi? C'est avec toi que je veux faire l'amour.
sa journée.